Et c'est loin, c'est Pixel, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. On se retrouve pour continuer notre aventure, donc épisode 5, sur le random de Pokémon version Soul Silver, argent, tout comme vous voulez. J'espère que votre journée se passe bien pour vous, enfin que votre journée d'hier s'est passée bien pour vous, parce que normalement là on est très tôt le matin quand sort cet épisode, mais je suppose que vous le regardez plus tard dans la journée, parce que moi je l'ai jamais dit, mais quand je sors un épisode à 7h, parce que comme ça le matin, en fait, je vois qu'il est bien sorti. Et parce que voilà, c'est le début de la journée. Donc voilà, bref. Stop, parler là, on arrête de parler. Et puis on va continuer l'aventure. Du coup, bah, on va aller à la prochaine ville. Histoire de combattre le prochain champion. On va voir sur quel Pokémon on va tomber. Ça pourrait être marrant. Voilà, voilà. Bonjour. Même les plantes sont vivantes. Parfois elles peuvent même bouger. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui venait de Doublonville. C'est bizarre comme nom de Doublonville en vrai. Alors, bonjour, vous êtes un dresseur? Un arbre étrange bloque le passage vers Rosalia. C'était bloqué ici. Finalement, quelqu'un pour faire quelque chose. Ah oui, non, en fait, on doit aller dans la grotte, c'est vrai. J'ai oublié. Je vais quand même voir. Salut, ça s'est déjà arrivé d'avoir des rochers à travers du chemin qui bloquent le passage? Bien sûr que ça t'est déjà arrivé. Tant mieux parce que je vais te donner une CS qui va tout résoudre. Tu trouveras avec la trotte dedans. Si tu as le badge de la reine de Mauville, ça permettra de rendre en miettes les rochers fissurés que tu trouveras sur ton chemin. Toutefois, ce genre de capacité secrète, une fois apprise, ne s'oublie pas facilement. Réfléchis bien comme il faut avant d'apprendre un Pokémon. Ok. Bah, j'ai rien trouvé un Pokémon pour lui apprendre, parce que je sais pas si Noctaï peut apprendre ça. Attendez. Entrée. Éclatroc. Ça porte un coup de dévastateur à la nuit, permet aussi de briser des rochers fissurés. Utiliser, s'activer. Je devais pas censé avoir flash. Noctali est apte, mais pour l'instant j'ai pas pu apprendre. Enfin, quand on en aura besoin, mais je devais pas censé avoir flash. Par roue de feu. C'est assez étrange. Alors. Là, vous voyez qu'il y a un arbre assez bizarre qui bloque le passage. Ok. Donc là, c'est pour aller où là? Ici, c'est l'entrée des ruines d'Alpha. Ce sont des ruines très anciennes, construites avec plein d'anciennes pierres. Je me demande qui a fait ça et pourquoi. Je me souviens de cet endroit. Et du coup, je sais pas s'il faut aller dans la grotte ou pas. Je sais pas s'il faut aller là. On va partir par là. Salut. Là, y a rien. Centre de recherche archéologique. Ah bah j'ai un fossile. Pour être utile. Bonjour, j'ai un fossile à vous passer. Tiens, on a fait la mystère des ruines. Moi c'est ce que je crois. Ah lui il avait l'air vouloir de... Hurrah, voilà une personne jeune et valeureuse aussi à se dévouer à l'archéologie. Pardon, tu es juste là pour visiter? Ah bon, j'aurais vu trop vite. Mais si, non, je vais te donner un fossile. Non. Oh purée. C'est un édifice construit il y a environ 1520. Ah non, mais monsieur, sérieux, moi je voulais donner mon fossile. C'est chiant ça. Ça c'est chiant. Hop. Alors, où est-ce qu'on est là? Route 32. Okay, ça a l'air d'être la suite par là. Est-ce que lui veut quelque chose? Eh, on se calme, la jeunesse. Bien, tu as de bons Pokémon, t'as dû pas mal les entraîner. À Mauville, non? Les combats à l'arène en particulier ont dû être très enrichissants. Tiens, on se souvient de ta vie ici, accepte aussi. Ceci améliore les capacités des types plantes. Graine miracle. D'accord. Et ça va, c'est vers où là? Je sais pas où est-ce que. Je sais pas où est-ce qu'on va. Oh! Un muciole. Bonjour petit muciole. Ça fait une étrange nuit. Ok parfait, je vais pouvoir te capturer. Parce que comme ça, je pourrais peut-être utiliser force avec toi. Pas force, éclatroc. Je suis pas sûr, mais bon, on ne sait pas, de toute façon les types. Ils changent à chaque fois. Oula la souris. Allez, rentre dans cette Pokéball s'il te plaît.
Voilà. Et hop, Michel est attrapé. Les derniers Michel sont ajoutés au Pokédex. Alors pour cet épisode, j'aimerais faire un épisode un petit peu plus long parce que c'est vrai que les derniers étaient très courts, je m'en excuse. Donc je sais pas, il y aura peut-être 30 minutes, je sais pas. Mais... Il communique avec ses pairs en faisant clignoter son postérieur. Il adore le parfum de l'humivol. Non. Du coup, on va voir de quel type t'es, mon gars. Alors, entrée. Pokémon. Michel. Ah, et en plus, il y a un objet. Ceinture pouvoir. Je vais te le prendre, hein, ça va te servir à rien. Résumé. Esprit rebelle, c'est un asepsi. D'accord. Ok. Merci pour les informations. Juste me permet de sauvegarder la partie. Hop. On est déjà à 2 heures de jeu, ça va quand même pas mal, ça va vite. On a un badge, donc 2 Pokémon dans le Pokédex. Bon. Merci, à bientôt. Alors, hop. Ta 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 pa 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 pa. Oh, excellent. On va essayer de le capturer aussi. Bon, là, les Pokémon qu'on croise, on le capture. Hein. De toute façon, après, ça va dans le PC. Ça va vraiment très grave si on les a pas. Hein. Enfin, si on a besoin d'autres. Par contre, je crois que je vais le tuer, là. Oui. Ah non. Oh, belle occasion. Belle occasion. Pour la capture de ce petit excellent. Allez, viens. Bon, par contre, ils seront bas level, du coup. Ah non, s'il te plaît, excellent. Ah non, c'est plus sur le bouton pour faire pause. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Hop. Hop, ça y est presque. Je vais d'envoyer une Pokéball, mais là, c'est vraiment pas rentré. Allez. Yes. Voilà. Donc on va mettre excellent en premier vu que c'est le Pokémon le plus bas level. Sa longue langue sécrète une salive gluante qui se colle à n'importe quoi. Elle est très efficace. Ok. Non. On va mettre en première place. Voilà. Voilà. Salut, jeune dresseur. On se connaît, tu veux crâner, on va voir ça. On va voir ça. Développeur Liliana. Mais en fait, il y a que des. En fait, c'est des femmes déguisées en hommes là, hein. C'est pas possible. Alors. Pokémon. Noctalie, à l'attaque. Ok. Tranche nuit. Prometteur. Ou ça va. Tu rates ton attaque, c'est bien. Même si tu m'aurais pas fait grand chose. Alors, nous voilà nos pays à monter niveau 15. Donc il va être au même niveau que Joliflore. Hop. Rayon gemme, pas mal. Voilà. Vampirisme. Vampirisme, c'est pas une super capacité en soi, donc. Oui. Coupix. Ouais, moi je suis de Pokémon, on va envoyer un peu Michel aussi. Petit Goupix, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Goupix comme ça. Parce que maintenant j'ai l'habitude des Goupix d'Alola. Pokémon, jolie fleur. J'ai horreur du bruit quand il n'y a plus beaucoup de PV, c'est super stressant. Hop. Ils ont des capacités tellement improbables les Pokémon des fois. Alors bon, on va faire coup psycho, de toute façon, là je suis un petit peu.
au pif, parce que de toute façon je sais pas du coup de quel type ils sont. A priori c'est pas efficace. Alors, il va faire canicule. Oh non! Allez, jolie fleur. Ah mince. Mais attends, il faut savoir t'es de type feu ou quoi, parce que là... C'est son talent, après, parce que... Moi, c'est Giga 5, si tu vas faire quoi? Voilà. Il va gagner une poisse d'expérience. Oula. Ouais, faut pas jouer au mec avec moi. Arrêtez. Oh, c'est bizarre d'avoir un excellent derrière moi. Voilà, donc là je peux pas passer. Oh, un métamorphe. Intéressant. Ce serait cool si on arriverait à l'avoir. Donc là, logiquement il va utiliser morphing, donc j'ai peut-être le temps de lui faire un petit peu de dégâts. Critique. What? Pionnage. Ah oui, mais oh là là, c'est complètement oublié. Du coup, ça se trouve, métamorphe, t'as même pas morphing en fait. Si ça se trouve, ouais, tant pis, fuite. Tant pis pour toi, métamorphe. Normalement, métamorphe n'a qu'une capacité, c'est morphing, et puis après, hein, en faisant morphing, il est plus fort, quoi. Oh oui, il rend vraiment sérieux. Ah, un combat maintenant. C'est que je suis au téléphone, là. Bon, après tout, pourquoi pas. J'aurais peut-être pas dû lui parler. Je pensais que c'était pas un dresseur, en fait. Chef Malcolm. Je vais lui faire, vas-y, défonce-le. Rapace. Pas très efficace. Hop, on termine. Même si c'est pas efficace, ça lui a quand même enlevé les PV donc dont j'ai besoin. Hop. Merci. Craconix. Non, crack noir. Craconix, n'importe quoi. N'importe quoi. Et bah, tu chef Malcolm. Perdu avant même de m'échauffer. Ah, tu vois, je dois faire plein de choses. J'ai tout à fait donné ton numéro. On pourrait devenir une paire d'amis. Je veux savoir ce que tu découvres. D'accord. Mais juste, faut savoir que ça fait longtemps que j'ai pas eu le bug qu'on avait vu au premier épisode. Vous savez, quand il n'y avait plus la texture de notre personnage. Donc c'est plutôt sympa. Alors. Je vais passer là. Ah, je vais passer. Oh non. Ce regard, je m'intrigue. Et ton vol. D'accord. Alors, on va lui faire un petit coup psycho. Pourquoi pas. Parfait. Ça s'est bien placé. C'est bien. C'est rapide en plus. C'est très bien. Bah, je suis boss à Stéban. Dommage. Alors, y a quoi là-bas? Oh, je suis sûr qu'il y avait une Pokéball. C'est 63 verrouillage. Merci. Alors. Oh, Démolos. J'ai l'impression que j'ai jamais des formes sous-évoluées en fait. On a que des formes évoluées depuis le début. On n'a pas genre d'évoli. Des trucs comme ça en fait. C'est vrai que je viens de le remarquer ça. Enfin, je pars dans les autres herbes, bien évidemment. Ça se trouve, je l'ai déjà croisé, mais je m'en souviens plus. Pas efficace. On essaie de le capturer. S'il veut rentrer, il rentre. S'il veut pas, il rentre pas. Hop.
Ah. Tu veux pas, tant pis pour toi. Moi, c'est comme ça que je marche. Tu veux pas rentrer dans la Pokéball? Bien, tant pis pour toi. Je te donne une chance d'avoir une meilleure vie. Tu ne veux pas. Donc, tant pis. Après, c'est vraiment si c'est un Pokémon rare. Oui, là, je suis un petit peu forcé la main, mais. Niveau 16, ça va super vite. Quatre piquants. What was that? C'est quoi piquant? Ok. Sac. Oups. Piquant, piquant, piquant. Objet d'Atania blesse le porteur à chaque tour pour s'accrocher aux ennemis qui attaquent le porteur. D'accord. Peut-être utiliser une super potion sur. Sur Mussiole. Voilà. Et puis on va continuer notre aventure. Hop. Ah! Trouver des super Pokémon dans les autres herbes, regarde-moi ça. On va voir ce que t'as. Comme lancé par développeur Marshall. C'est quoi les développeurs? Colossinge. On va envoyer Noctali là parce que faut que je change de place. Noctali, go! C'est mal. Alors, tranche nuit. Ok, crogivre. C'est bon. Ok, merci Marshall. Du coup, est-ce qu'il faut que j'aille en bas ou en haut? Parce que j'ai vu comment il y avait d'autres dresseurs. Je sais pas. On va aller en bas pour l'instant. On verra bien. Ah, c'est la suite. C'est un nouvel endroit. Donc on va aller en haut. Alors qu'il y a peut-être un sort de Pokémon. Peut-être il fait choisir les Pokémon. Ah non, c'est même pas la suite. C'est sur un sort de Pokémon au milieu de la route comme ça. C'est cool ça. Il y en a 4. Il n'y en a que 4? Oui, parce qu'en fait, l'œuf, je le compte comme un Pokémon, mais non. Non, alors lui, qu'est-ce qu'il veut? Parce que lui, c'est. Tu veux essayer de pêcher? Tu veux essayer toi aussi? Oui, je veux bien une canne. Du coup, si je pêche, est-ce que je vais avoir un Pokémon. Ok. Ah, merci. Pour l'idée. Du coup, bah ouais, on va pêcher alors. Hein. Je vais vite voir comment ça marche. Oula. Oula. Oula là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le jeu bug. Alors, attendez, comment est-ce qu'on va faire là? Parce que là, du coup, on est bloqué dans le combat. Je peux pas bouger, je peux rien faire. Surtout que j'ai enregistré il y a un mal de temps. Écoutez, on va faire une pause et puis je vous retrouve quand j'aurai réglé le problème. Ok les amis, bon bah du coup le jeu a crash, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Du coup je suis de retour à l'endroit où j'ai sauvegardé juste avant. Donc c'est assez loin. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va s'arrêter là. Et puis je me remettrai à l'endroit où j'étais la dernière fois. Du coup voilà, j'ai pas accès langue, j'ai pas tout ça, mais bon. C'est pas grave. Du coup, bah, n'hésitez pas à acheter le petit j'aime. Puis pour la prochaine fois, je serai de retour. Tout ira bien. Allez, bye bye.